Moi, j'étais dans un club qui était pas mal, mais qui était moins fort que Créteil-Ivry, qui était déjà très fort à l'époque. C'était Villiers-sur-Marne. Et il y a une année, on les a bien concurrencés et on a même fini deuxième derrière Ivry. On a battu Créteil et j'avais un rôle assez important dans l'équipe. Et quand tu as un rôle assez important dans une équipe, tu sens un peu plus de ferveur et tu as envie de pousser dans ce chemin-là, quoi. Au début, c'est mon père qui me suivait beaucoup quand j'étais au collège et au lycée, ma mère aussi. Puis après, je suis allé au Pôle Espoir d'Aubonne, sport-études. Donc c'est ma mère aussi qui... C'est compliqué avec l'école, il y a souvent des réunions avec les parents. Donc comme j'habitais à l'opposé, il fallait faire tout le chemin. Donc ma mère était beaucoup plus présente après. Mais souvent, quand j'étais à Créteil, à tous mes matchs, il y avait tout le temps mes parents, tout le temps ma mère et 95% des cas mon père. Donc pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et même après, quand on discutait des matchs ou avant les matchs, discuter avec ses parents, sachant qu'ils viennent au match, je pense que ça aide à y penser plus souvent. Quand j'étais un peu plus jeune à Créteil, quand je commençais à jouer en première division, ça m'arrivait parfois de pouvoir regarder ma mère dans les tribunes ou comme ça échanger au regard ou quoi. Mais j'ai trouvé ça que c'était ça dessert plus qu'autre chose parce que c'est mieux de rester dans le match. Et même les gens qui sont d'un avis extérieur voient que tu regardes dans les tribunes, que tu papillonnes et ça, c'est pas très bien. Donc ça, je l'ai vite éliminé. Mais le fait que toute ta famille te supporte et te pousse, ça donne un espèce d'équilibre qui fait que tu restes dans le droit chemin et que tu restes concentré et focus sur ce que tu veux et que tu te laisses pas parasiter par des envies extérieures de faire n'importe quoi ou tu peux faire quand tu es jeune. Mais le fait d'avoir, moi j'ai deux grandes sœurs et le fait d'avoir mes deux grandes sœurs aussi qui me suivaient beaucoup, pareil que mes parents, mais après elles travaillaient donc c'était difficile pour elles de venir regarder les matchs à Créteil puisqu'elles travaillaient sur Paris. Mais le fait d'avoir toute ma famille qui me suit vraiment au quotidien, ça m'a vraiment aidé à rester focus sur ce que je voulais. Ouais, j'ai beaucoup... moi, le sport, je le pratique depuis longtemps, mais je le regarde aussi depuis très longtemps à la télé. Et c'est toujours cet aspect-là qui m'a fait adorer le sport en général, c'est l'interaction avec le public. Alors, moi, j'aime beaucoup tous les sports de salle, mais aussi la NFL et le football. C'est quand vraiment il y a une osmose avec le public, j'adore. Et depuis mon plus jeune âge, dès qu'il y avait des matchs avec beaucoup de public, même quand j'étais très jeune, j'ai toujours aimé. Alors au tout début, c'est particulier, parce que tu as la pression. Mais après, c'est, comme tu as dit, l'échange avec une certaine énergie que tu peux ressentir. Et même des fois, quand c'est contre toi, ça te donne une espèce d'énergie. Et ça, vraiment, c'est ce que j'adore et que je préfère dans le sport. Quand j'étais très jeune, moi, j'aimais bien Kun Agüero. Et même encore, puisque c'est vraiment un attaquant hors pair et c'est un renard des surfaces. Et j'adore sa mentalité sur le terrain, parce que c'est pas qu'un attaquant, des fois il est capable de faire le travail de l'ombre. Et lui, depuis tout petit, je l'adorais. Alors après, quand tu grandis, quand tu fais du hand, c'est un peu décalé par rapport à la situation, puisque quand tu passes professionnel, tu peux plus idolâtrer les... Même si ça n'a rien à voir, mais c'est différent. Mais je suis toujours ce qu'il fait et j'adore vraiment comment il joue. Et depuis tout petit, c'était lui, mon référent au niveau sportif. Le problème avec ça, c'est que moi, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir changé. Même actuellement, là, pour moi, j'ai grandi, forcément. J'ai une petite fille maintenant, donc ça change beaucoup de choses. Mais je me sens pas avoir beaucoup changé. Par exemple, je parlais avec des amis à moi que je connais depuis très longtemps, qui eux-mêmes m'ont dit que j'ai pas forcément changé. Et le fait qu'on parle de moi en mal quand j'étais à Créteil, ça m'a beaucoup vexé, puisque au final, il y a beaucoup de gens qui parlaient sur moi, que j'étais pas un bon garçon, que j'étais pas assidu aux entraînements, que j'étais pas bien avec mes coachs, etc. Et tout ça, c'était faux. Et le fait qu'on dise ça de moi alors qu'on ne me connaisse pas vraiment, ça m'a beaucoup vexé. Et c'est ce qui m'a aussi, je pense, pénalisé quand j'étais en fin de contrat à Créteil et qu'avec Kamel Remili, on a décidé d'arrêter. Et lui, pour mon bien, voulait que je change de club et justement qu'on me voie sous un autre jour. Et le fait qu'on arrête là, puisque j'aurais pu rester à Créteil, mais le fait qu'on arrête là et que je dois trouver un club et que personne vraiment me porte d'intérêt, en France je parle, ça m'a beaucoup vexé puisque j'avais fait une très bonne saison et j'ai fait beaucoup de bonnes saisons à Créteil. Et le fait de ne pas avoir retrouvé un club, j'avais des propositions mais qui n'étaient pas vraiment bien et le fait qu'on ne me porte pas vraiment d'intérêt, ça m'a un peu vexé en tant que joueur, en tant que professionnel. Moi je suis différent, peut-être des fois je surjoue quand je suis stressé,
Et c'est peut-être ça aussi qui m'a pénalisé, mais c'était pas, c'est pas une façon hautaine de me comporter. C'était peut-être un stress caché. Et ça, les gens l'ont pas perçu comme ça. Et moi, on me critiquait sur mes sorties, etc. Et à Créteil, c'était pas du tout vrai. Donc, ce qui me dérangeait beaucoup, c'est que les gens disaient que j'étais un fêtard, alors que c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est ça aussi qui m'a dérangé. Et le fait de ne pas vouloir connaître le personnage, de ne pas vouloir connaître Hugo Desca, et direct, c'est facile de pointer du doigt, de dire « lui, il a par exemple une trop grande gueule » ou « lui, il a un mauvais comportement sur le terrain ». Pardon. Ça, pour moi, c'était un peu trop facile et c'est ce qui me vexait, en fait. C'est les gens qui parlaient sans cesse, sans vouloir connaître vraiment le personnage. Ben en fait, pour être honnête, quand j'étais à Créteil, j'y suis allé une fois en équipe de France, je crois. J'ai eu deux sélections, puis après deux ans, trois ans, rien. Et je suis reparti sur un stage de préparation, c'était à Cap-Breton. Ça a duré trois jours et j'ai pu être repris. Et après, ça a continué, j'ai pu être repris. Et j'ai compris que, ben voilà, c'était, que ma chance avait été partie, entre guillemets. Et le fait de ne pas avoir de vraies offres concrètes en France pour justement continuer à être disponible pour l'équipe de France, ça m'a un peu vexé et je me suis dit je vais changer de tout au tout et pourquoi pas. Moi j'ai toujours voulu jouer à l'étranger, aussi comprendre une autre culture du handball, voir comment ça se fait dans les autres championnats, même aussi par rapport aux supporters. Donc pourquoi pas aller à l'étranger tout simplement, et Dynamo Bucarest s'est positionné et l'offre de contrat était vraiment bien. Et en plus, c'est un club qui jouait la Ligue des Champions et qui jouait le championnat pour le gagner. Et ça, à Créteil, moi, j'avais pas jamais la possibilité des fois, on jouait des matchs pour le maintien. C'était des matchs très importants. Donc, c'était un peu notre finale. Mais gagner des titres, gagner pour être le meilleur, ça, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, le fait de partir en Roumanie, surtout dans un club comme Dynamo, pour jouer tout pour gagner, ça a pesé dans la balance. Il faut savoir que quand je suis allé en Roumanie, c'est pas du tout comme je m'y attendais. Alors, je m'attendais de jouer la première division, de jouer le titre là-bas, de jouer la Ligue des Champions en étant en poule basse. Donc ça, je savais. Mais après, le club, c'était pas du tout comme on m'avait parlé ou comme on m'avait dit. Donc j'étais au début beaucoup surpris et beaucoup énervé aussi, puisque c'était pas vraiment pas correct et pas du tout comme on fait en France. Et je suis allé là-bas avec... Je savais que ça allait pas être tout beau, mais à ce point-là, quand même pas. Donc, tu serres les dents et tu t'accroches et tu joues et tu essaies de faire la différence et tu essaies de tout gagner. Et la première année en Roumanie, les premiers six mois en Roumanie étaient très délicats puisqu'on n'avait pas, au bout de quatre mois, on n'avait toujours pas été payé. Le président, il est parti. Il faut savoir que le président de là-bas, c'est un des sponsors. Donc quand il part, il ne te serre pas la main et il s'en va sans rien. Donc j'ai eu affaire à des proprios qui venaient chez moi et je devais moi payer puisque c'est pas le club qui payait. Au final, il y a eu plein de choses délicates, mais au bout de six mois, ça s'est arrangé, le coach s'est fait renvoyer, le président est revenu et c'était un peu théâtral. Là-bas, ils sont très théâtral, donc c'est tout, c'est comme dans les films, quoi. Quand c'est tout moche, et puis quand c'est tout beau, donc le fait de vivre ça, ça m'a forgé dans le fait de ne pas stresser sur des choses bêtes de la vie quotidienne et des fois vraiment prendre beaucoup plus de recul, et ça m'a beaucoup aidé. Déjà, quand Patrice il a expliqué à mon agent qu'il était peut-être intéressé pour l'année prochaine, donc ça c'était ma deuxième année à Bucarest, j'étais hyper content parce que je me suis dit que si j'avais la chance de revenir en France et surtout à Montpellier, dans un grand club, et de aussi pouvoir du coup jouer le titre en France, hyper excité et hyper revanchard, et je voulais en restant moi-même montrer à tout le monde qu'il s'était trompé à mon égard, et j'étais super content, super emballé, mais au début je préférais ne pas griller les étapes et d'abord attendre de pouvoir signer, et quand ça s'est fait j'étais le plus heureux et j'ai terminé ma saison à Bucarest, le club a compris que je partais, donc ils n'ont pas été très énervés et ils ont fait les choses bien jusqu'au bout avec moi. Et voilà, j'étais super, super content et super revanchard. Moi, l'année dernière, quand je suis arrivé, j'étais très, très satisfait du cadre, du professionnalisme du club. C'est un club super. Avec Patrice, ça a matché directement. J'aime bien sa façon d'entraîner et de coacher. Donc moi, j'ai tout de suite adhéré au projet. Je connais vraiment bien le handball. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il interprète, c'est quasiment dans le bon sens. Donc,
Donc pouvoir écouter une personne comme lui, déjà ça t'aide beaucoup dans ton travail de tous les jours. Franchement, c'est un très grand coach et c'est tactiquement aussi, il est très fort. Et aussi l'approche avec le joueur, c'est ça qui me plaît, c'est que d'un côté mental, il sait très bien, comment expliquer, s'adresser aux personnes et différemment. Donc c'est super et c'est pour ça que ça a matché avec lui, c'est qu'il m'a vite cerné et il a vite compris comment je marchais et c'est pour ça que ça marche très bien. Et j'ai aussi vite compris comment il marchait lui, donc c'est super. Après, il est différent avec chaque personne dans l'équipe. Et ça doit être compliqué pour lui, je pense, au quotidien. Ça doit bien le casser la tête parfois, mais c'est ce qui fait sa force. Et il a toujours une longueur d'avance sur qui que ce soit, donc c'est pour ça qu'il est très fort et qu'il est encore là aujourd'hui et qu'il fait partie des meilleurs coachs mondiaux. Bah, j'étais très honoré et très content de pouvoir rejoindre, c'était en novembre, la maison du handball. Alors pareil, avec les contraintes du Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Il y avait des matchs amicaux déjà qui devaient être mis en place, mais ils ont été annulés. Donc c'est déjà super, super content de pouvoir s'entraîner avec le groupe, avec toute l'équipe. Après, on a envie de faire des matchs, forcément, on a envie de porter le maillot. On l'a porté, mais sous forme de matchs amicaux. Mais de porter le maillot vraiment, chanter l'hymne, être vraiment pouvoir marquer, de pouvoir rajouter une sélection au palmarès, c'est ça qui manquait un peu. Donc c'est frustrant, mais super content et pareil, super motivé et entre guillemets super revanchard. De pouvoir montrer que entre guillemets, j'ai disparu quand je suis parti en Roumanie, disparu des radars, mais que le joueur que j'étais, c'était pas une arnaque, quoi. J'ai pas disparu des... Mon talent et ma technique n'a pas disparu et de pouvoir le remontrer au staff et à tous les joueurs et pouvoir le montrer à tous les Français aussi, c'est quelque chose que j'avais à cœur et que j'ai toujours à cœur. Ma chance, elle viendra quand elle viendra et voilà, si jamais je peux faire la doublette avec lui, ça sera un honneur et un plaisir et si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre et j'attendrai entre guillemets mon tour. Si c'est pas un tour, mais j'attendrai que le coach fasse appel à moi et tout simplement, je vais pas commencer à calculer quand est-ce que Mickaël va arrêter et quand est-ce que moi je vais arriver. Déjà quand tu fais dans le sport, quand tu fais trop de calculs, généralement c'est tout l'inverse qui se passe. Donc moi je reste focus sur mon jeu, sur mes qualités et si je suis appelé, je vais montrer qui je suis et qu'on peut avoir confiance en moi. Je vais pas regarder le passeport de chacun pour savoir quand est-ce que je vais venir. Je pense que si t'es sélectionnable, tu es obligé d'être ambitieux. Donc, et puis même quand tu es un sportif professionnel, si tu n'as pas d'ambition, je pense que ça ne sert à rien de faire du sport de haut niveau. Donc comme je suis très ambitieux, le fait d'être appelé là le 27, déjà moi je pense que je suis capable d'aller jouer, faire le championnat du monde en Égypte. Après je prends les échéances une par une. Si je fais la préparation mais que je ne suis pas pris, j'aurai dans un coin de ma tête le TQO et c'est pareil et ça sera pour chaque compète. Ça sera pour chaque compète. Je vais pas me dire ouais mon objectif c'est de jouer le championnat d'Europe dans 2 ans. Si jamais je suis sélectionnable et je pense que je le suis, et bah ça sera échéance par échéance et tout donner avant chaque échéance pour pouvoir y aller tout simplement. Je mets tout mon cœur au handball. Donc moi si je dois faire quelque chose de bien, je dois le faire à fond. J'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps, donc depuis que je suis professionnel, je consacre ma vie au handball et honnêtement, j'ai pas le temps de... Bien sûr, j'ai des passions, j'ai des hobbies, mais rien de... Par exemple, souvent, je discute avec mes proches et ils me demandent qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais pas été handballeur. Bah, actuellement, je sais pas du tout. Je peux pas dire que j'aurais été informaticien ou... Puisque dès très jeune, j'étais dans un collège à Champigny et c'était déjà une classe sportive de handballeur, donc déjà on commençait à faire des tournois, donc déjà j'ai un peu négligé le scolaire déjà alors que c'est pas bien, sachant que je donnais tout pour être professionnel. Une fois professionnel, j'ai pas continué des études à côté, j'ai tout donné pour le sport, donc me penser qu'est-ce que j'aurais pu être à la place d'un handballeur, je pense j'aurais été handballeur et c'est tout. Ouais, je pense beaucoup à l'après, déjà même maintenant, après je ne sais pas vraiment dans quel secteur me diriger. Être coach, ça m'intéresse pas mal, puisque j'aime bien le défi tactique aussi imposé entre les coachs. Des fois, c'est intéressant. Donc,
Donc ça, ça m'intéresserait pas mal, mais rien n'est acquis, rien n'est sûr. Je ne sais pas encore, tout peut basculer. Mais pour l'instant, je me concentre sur le handball et comme tu as dit, je suis encore jeune. Donc il en reste encore de belles années et tout peut changer, tout peut basculer.